Bonjour à tous, place du village en direct des confins, mardi 12 février. Voilà, je vous présente la nouvelle piste des confins, la piste du Danet qui fait le tour de cette petite montagne qui domine les confins. Et puis l'occasion aussi de vous faire découvrir le panorama qu'on voit depuis cette piste du Danet. Donc avec en face la chaîne des Aravis, évidemment incomplète. Vous avez Balm, pour ceux qui connaissent évidemment et qui font du ski de piste par ici. Et puis Torcher en face de nous. Et si je continue mon petit panorama, évidemment, voilà avec le soleil en face. Vous avez au fond le reste du domaine. Et puis donc la descente vers cette nouvelle piste du Danet qui a été ouverte cette année. Une nouvelle piste noire qui fait 13 km et qui permet d'enrichir l'offre de ski de fond de la station de la Clusaz. Alors, nous sommes ici à environ 1500 mètres d'altitude, la température est tout à fait agréable, hein. Il fait largement au-dessus de zéro aujourd'hui et l'enneigement est exceptionnel, il faut le dire, avec une couche de neige poudreuse qui donne au paysage un aspect absolument féerique. Voilà, vous constatez qu'en face c'est déjà bien tracé pour les hors-pistes. Un peu moins sur la combe de Grand Cray qui est juste à côté. Il y avait quand même quelques skieurs de randonnée aujourd'hui. Voilà, soyez prudents évidemment avec les risques d'avalanche. Et puis voilà, nous allons continuer notre périple, le tour du Danet donc. Nouvelle piste noire, en direct des confins, pour la place du village, évidemment en direct pour Facebook. À bientôt.